Toujours à Placali. J'ai pensé que mon ventre, que j'ai un gros ventre. À Placa, aujourd'hui, demain et après-demain. À Placa. Ah, j'ai même lancé sur quoi? Attendez. À Placa aujourd'hui. Demain et après-demain. Toute ma foi, à Placali. À Placali aujourd'hui. À Placali demain. À Placali après-demain. Toujours. Ma foi, à Placa aujourd'hui. Demain et après-demain. Et généralement, Marco, je te donne les mains. Je te donne les mains. Adama. Adama, on peut être mamaïe comme ça, Adama. Tu es fort, général. Tu es fort. C'est toi la chose. Les autres sont là. Adama, on peut être comme ça. On va ouvrir l'église à Paris. Le général va ouvrir l'église. Et on sera ses adeptes. Adam, on peut être aussi bête. On peut être aussi bête. Général, c'est toi la chose. Il faut augmenter l'huile d'onction, le prix de ça. Pour Camerounais, il faut faire 400 euros. Il faut vendre l'huile d'onction à Camerounais, 400 euros. Ils sont là. Général, général, général. Adama. Adama. On peut être réfléchi comme ça. Général, il faut poser ta candidature à Abidjan. Tu seras ministre en Côte d'Ivoire. Après Marc Zokombek, c'est toi. Après, il n'y a rien devant. Les autres, là, c'est un bracata. Après le général, le reste, c'est tunnel. C'est le virage. Regardez-le. C'est parce que... je suis malade, je n'ai pas la force. Ah bon? Donc, hier sur Facebook, c'était Champions League. J'ai pas vu. Oh. Je dormais. J'avais pris Fervex. Vraiment. Chacun fait sa part. Donc, il y a président. Et vous, les Camerounais, on vous a nommé quoi là-bas dedans? Hein, vous avez eu quel titre? Adjewa. Tout ça pour combattre la Poutou. Le petit là même, oh. C'est lui qui connaît. Moi, je ne suis pas dedans. Hé, hey, général, tu es fort. tu as mis tout le monde, tu as mis Facebook à terre. Moi, je ne change pas mon équipe et je ne suis pas dans le clan. À Poutou aujourd'hui, à Poutou demain, à Poutou après-demain. Même si c'est un petit qui est un peu quand même... c'est un petit qui a besoin d'apprendre encore beaucoup de choses. Mais je le soutiens. C'est ça. C'est quoi cette guerre? C'est quoi cette guerre que Ivoirien? C'est quoi cette guerre que les Ivoiriens font? Une guerre sans fin. À Poutou aujourd'hui, à Poutou demain, à Poutou après-demain. On ne peut rien faire pour combattre son frère, pour combattre sa soeur. La personne qui veut organiser aussi ce que Apoutou a fait, il faut faire, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a de chercher les alliés, de courir derrière les alliés, de courir. Organiser même, prononcer même n'importe quel grand nom. Nous, on sera là pour vous soutenir. Vous comprenez? Apoutou soutient aujourd'hui, soutient demain, soutient après-demain. Il faut savoir reconnaître l'effort. C'est quoi ces clans? C'est quoi ces clans? Moi, je ne suis pas dans le clan. Si le général Makosso organise, on m'invite, je suis blogueuse. Moi, je savais que le général Makosso était un... Oh, il y a ma pépé qui m'appelle. Oh, Mako, je te prends tout à l'heure. Je suis en direct avec le téléphone, mon téléphone perso. Je te prends tout à l'heure. Je te prends. Comment Apoutou met les gens au travail comme ça? C'est quoi, Apoutou, tu dois walk? À
Apuchu dit give work. Apuchu donne le travail. Apuchu donne le travail. Certes, je n'étais pas satisfait de sa soirée. Mais il a fait des efforts. On doit reconnaître. Pourquoi combattre au marché là? Il y a beaucoup de femmes qui vendent à Tchéké. Beaucoup de femmes vendent à Tchéké. Chacun a ses clients. Chacun a ses clients. On ne peut pas se mettre à se grouper pour combattre une personne. Pourquoi? Apuchu, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Non, on est ensemble. Général organise, il a dit Champions League. Il n'a pas mis les Camerounais dedans. Pourquoi? Moi, je n'ai pas écouté, je n'ai pas suivi. Mais ce qui est sûr, nous, on sera partout. Déjà, il y a EK qui organise sa conférence. J'annonce aux abeilles, EK, chaque blogueur, chaque blogueuse qui va organiser un événement, je serai là pour soutenir la personne sans clan. Je ne suis dans aucun clan. Je ne suis ni dans le clan d'Apuchu, ni dans le clan de Makoso, ni dans le clan de Si, ni dans les clans de ça. Je suis avec tout le monde. Donc si le général organise, c'est la Champions League des blogueurs, il invite les Camerounais, je serai présente pour soutenir. Parce que aujourd'hui que le général est devenu blogueur, on est ensemble, c'est un collègue. Il est partout. Mais c'est chacun qui sait comment gérer sa stamania, il sait pourquoi il fait ça. Donc on sera là pour soutenir le projet. Je n'ai pas besoin d'avoir la place de Number Uno ou bien la place. Je sais que je suis Number Uno. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que Flor de Lutte est Number Uno. Je sais que je suis Number Uno. Je connais mon pouvoir. Je n'ai pas besoin qu'on dise que Flor de Lille, c'est toi, c'est moi la chose. Après moi, c'est le virage. C'est ça ou rien. Flor de Lille ou rien. D'accord? Le pouvoir, c'est moi. La visibilité, hein? Il y a visibilité, être connu. Je suis connu et visible. Une star connue est celle qui passe même avec le masque. Tu te fais reconnaître par tes fans. Ça veut dire que tu es suivi et tu es connu dans la réalité. Je suis suivi et suis connu dans la réalité. J'ai fait ce que beaucoup d'entre vous n'ont pas fait. Je ne vous ai pas vu voyager partout dans le monde. Je suis allé au Fever au Cambodge. J'ai voyagé avec la Stamania. Tapez YouTube. J'ai voyagé avec la Stamania. Je continue de voyager. D'ailleurs, le mois prochain, je suis au Togo. Je suis au Togo, là, pour une semaine. Et après, je suis à Abidjan. Je fais une tournée africaine. Je vais au Togo, je vais au Bénin. Donc, pour vous dire que être connu, c'est seulement... pas seulement derrière les réseaux sociaux. Il faut passer sa stamania dans la réalité. Je suis invité ce samedi 13, ce samedi 23 au restaurant Le Mandela à Brest avec Compressor Maléba. Au Cameroun, après Flor de Lis, c'est Compressor. Après Compressor, c'est Lolo. Après Lolo, c'est le reste qui vient. Nous sommes connus dans la réalité. Parce que la Stamania, il faut aussi la vivre en réel. La Stamania, ce n'est pas seulement derrière les réseaux sociaux. Je dois soutenir tout le monde. Je suis prêt à soutenir tout le monde. Sans clan. J'en ai rencontré, hein. Parce que Facebook, ça fait les gens. J'ai rencontré la petite, là, Elvige de Milano. C'est une très belle fille naturelle. Elle est belle et calme, polie. J'ai rencontré cette fille, belle, peau ébène, la vraie peau noire, pas le njansang, et calme et polie. C'est ça, nous avons besoin des gens qui passent aussi le stamaya du virtuel au réel. Et c'est de ça qu'il s'agit. Rester devant Facebook avant 30 000 personnes ne veut pas dire que 30 000 personnes t'apprécient. Hein? C'est des gens qui s'ennuient, n'ont rien à faire. Il y a même les Chinois. Moi, j'ai besoin de suivre le général Makoso un jour que le général. J'ai besoin de suivre une conférence du général sans le cinéma, là. Que le général nous parle tranquillement comme un grand frère, comme un père de famille, qui nous parle sans trop faire le guignol.
Nous, on a besoin de suivre aussi le général dans une autre posture, sans faire le cinéma, là. On a besoin que le général se mette comme ça, qu'il s'exprime, il nous parle. Sans trop faire les trucs bizarres, sauter, tout ça, là. C'est vrai, le cinéma, c'est bien. Mais à un moment donné, on a besoin qu'il soit sérieux, qu'il nous parle posément et sérieusement. On va écouter. Oui, on va écouter. On a besoin d'écouter le général. Le général, c'est un grand homme. Aujourd'hui, c'est un blogueur. Il est connu et reconnu encore. Mais on a besoin de le suivre quand il y a quelque chose de sérieux. Comme ce qu'il voulait parler hier, comme l'annonce qu'il a fait hier. Quand c'est sérieux, il faut se mettre dans une posture sérieuse. On a besoin d'écouter aussi le général qui nous parle posément, sérieusement, sans crier, qui nous parle tranquillement. On écoute. Parce que l'annonce qu'ils ont fait hier, c'était quelque chose de génial. Mais moi, je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas compris, c'était un challenge avec Apuchou. Parce qu'on n'a pas besoin du challenge. On n'a pas besoin du challenge. Si le général veut nous faire... si le général a envie de nous annoncer un projet, on n'a pas besoin qu'il challenge avec qui que ce soit. On a besoin qu'il nous parle. Sans distinction. Moi, j'ai un peu écouté ce matin. Parce que quand il fait ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à suivre. Les gens sont déconcentrés. Les gens n'arrivent pas à se concentrer pour vraiment écouter le général. Quand il fait sautille, il fait ça. Il y a des moments pour ça. Moi, j'aimais quand Lolo Beauté, elle est passée. Elle a parlé tranquillement. Oui, parfois, il s'agite et ce n'est pas sérieux. Il faut qu'il refasse ce live. L'Afrique est unie. On n'a pas besoin d'un concurrent. Même Apuchou sera dedans. On n'a pas besoin que quand il veut nous parler de sérieux, quand il veut se prendre au sérieux, il fait le guignol. Non. On veut l'écouter comme un grand frère, on veut l'écouter comme un chef d'État. Un chef d'État qui parle aux gens, qui a une posture, qui parle sans gros mots. Parce que le général aujourd'hui, on le considère comme un pasteur. Il vend même de l'huile d'onction. Le général doit éviter certaines choses parce qu'il est laid. Il est l'exemple de beaucoup de personnes. Le général, c'est quelqu'un de bien. Mais vous savez, derrière Facebook, souvent, on fait des choses sans s'en rendre compte. On a besoin que le général vienne plutôt réunir tous les blogueurs. La guerre n'avance en rien. Quel que soit ce que le général avec le clan Apuchou, ils doivent être ensemble. Regardez votre président là, de la Côte d'Ivoire, Ado, et le nouveau président. Regardez, ils ont arrêté la guerre des réseaux sociaux. Ils ont arrêté, ces deux présidents se sont embrassés. Ils se sont fait achou. La guerre s'est arrêtée. Vous voyez encore les blogueurs trop parler de politique en Côte d'Ivoire, s'engueuler, se haïr? Non. Parce qu'après, tous ces chefs d'État mangent ensemble. On doit être ensemble. Moi, on doit être ensemble pour avancer. On crée une communauté de blogueurs. Il y a des cartes. Il y a de ceci. Mais ceux qui sont déjà en Europe là, cherchez déjà à réunir ceux qui sont en Europe. Parce que c'est bien beau de lancer un projet en disant que on va faire le truc, la ligue des blogueurs, ça va monter, ça va descendre. Mais il faut déjà que l'exemple commence à la maison. Il faut déjà réunir ceux qui sont ici en Europe. Il faut déjà arriver à s'asseoir pour parler ensemble. C'est important. Arriver déjà à parler ensemble. Parce que le général, c'est... Mais le général, c'est après lui, c'est le tunnel. Moi, je pensais que c'était quelque chose d'incroyable que le général allait annoncer. Quelque chose vraiment d'incroyable. Je pensais que c'était quelque chose... C'est vrai que je dormais. J'ai dormi tôt hier, je ne me sentais pas bien et tout et tout. Mais on doit être ensemble. Les Camerounais suivent les Ivoiriens suivent les Camerounais. Donc on est ensemble. On doit faire des choses ensemble, mais il y a des manières. Il faut déjà qu'il y ait la paix. Le général doit faire la paix avec Apuchou, c'est son petit frère, c'est son fils.
On ne peut pas considérer, on ne peut pas tout le temps considérer un petit écart de langage. Si moi-même, je voulais considérer un petit écart de langage, j'allais dire que Apuchou, j'allais me comporter au promenade, mais moi, j'ai laissé passer. Parce que les gens sont allés raconter à Apuchou que moi, je l'ai clashé. Quand j'ai vu Apuchou la dernière fois, il me dit, mais tu m'as clashé, dit pardon. Mais j'étais scandalisée. J'étais scandalisée. Je dis, mais comment le petit Sipé dit que je l'ai clashé? Il me dit, mais tu m'as clashé. Je dis, pardon. Moi, j'étais clashé. Il me dit, oui, je l'ai clashé. On lui a dit ça, mais j'étais scandalisée. Il doit savoir passer aussi. Il doit grandir. Il ne doit pas considérer tous les petits trucs que les gens lui disent. J'étais scandalisée quand il m'a dit ça, que mais tu m'as clashé après ma soirée. Mais j'étais scandalisée. J'étais choquée. J'étais très choquée. Mais j'ai dit, je suis passée dessus. Moi, je suis quelqu'un qui a... Moi, j'aime rester dans la réserve. Quand il y a certains petits trucs, je reste dans la réserve. J'étais très choquée. J'étais très choquée. Mais il reste un jeune, il reste un petit qui a besoin d'apprendre. Mes chers fans, mes chers compatriotes, la guerre ne peut pas avancer. Allons soutenir nos collègues blogueurs, nos collègues blogueuses. Je vous dis aujourd'hui que vous devez soutenir EK qui fait sa conférence le 4 décembre. Soyez nombreux à la soutenir. C'est EK Land. Montrez-lui que vous l'aimez, les sympathisants. Parce que ça ne sert à rien que quelqu'un se connecte, il y a 30 000 personnes. Mais quand tu fais quelque chose dans la réalité, on ne voit personne. Soutenez ce qui est bon. Arrêtons les ragots. Arrêtons les petits ragots à deux balles. Qui n'a pas injurié qui? Qui n'insulte pas qui? Mais on est ensemble. Pourquoi c'est toujours nous les Africains? Pourquoi nous toujours? Moi, je n'ai jamais vu un Français prendre le direct pour insulter un autre Français. Je n'ai pas encore vu. Pourquoi toujours les Africains? Est-ce que Facebook a été créé pour se haïr, pour se détester sans se voir? Comment tu peux détester quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux haïr quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne l'as jamais vu. Sous prétexte qu'on t'a dit, que... Avant, je regardais Evige de Milano, je dis... Mais quand j'ai vu la petite, elle était tellement sympathique... Bonjour ma faux, ça va, tout ça, on s'est embrassé, on a fait la bise. Facebook, ça change les gens. Hein? Les gens se mettent derrière Facebook, ils font des choses, ils sont agités, ils font des choses, mais dans la vie, rien, ils ne sont pas comme ça. Les réseaux sociaux changent la personnalité de beaucoup de personnes. Il faut les côtoyer dans la vie réelle pour savoir qui ils sont. Voilà. C'est pas parce que partager, oui, c'est vrai de partager, mais il faut partager pour des messages clés. Il faut partager quand c'est des messages vraiment importants. Moi, j'ai une page, les autres ont les pages. Vous avez vu une page officielle, la page de qui partager quelque chose qui me concerne. Pourquoi moi, je vais mettre ma page officielle, je partage les pages officielles des autres collègues stars. Ça, c'est pour les donner les abonnés. Eux, ils me donnent les abonnés quand? Si ce n'est pas vous qui me regardez là, si ce n'est pas vous qui me regardez, mes fans, mes abeilles, les sympathisants, les gens cherchent les abonnés sur leur page. Hein? Je peux bien partager, mais j'ai décidé de ne plus partager les pages officielles des gens sur ma page officielle n'importe comment. Parce que quand je regarde aussi ceux-là, ils ne partagent pas aussi ma page officielle. Ils vont peut-être dire oui, Fleur de Lier, parce qu'un message qui est bien. Ils sont sûrs que leur message est plus mieux que la mienne, mon message. On fabrique quelqu'un qui est déjà fabriqué. Hein? Vous êtes sûr que les messages des autres sont plus importants que mes messages? Je ne pense pas. Donc, je ne peux pas me lever parce que tout le monde partage une page. Je viens partager. Non. C'est ma page, c'est mon mur. Quand on regarde, ils ont plus d'abonnés que moi. Ils sont plus stars que moi. Comment tu vas fabriquer quelqu'un qui l'a fabriqué? Je pars, je regarde comme tout le monde. Pourquoi veut fabriquer quelqu'un qui l'a fabriqué en fait? Quelqu'un qui l'a connu par tout le monde. Si tu partages la page d'Emmanuel Macron, c'est que tu lui donnes seulement encore les abonnés. Parce qu'il est déjà connu. Il est déjà connu. Comment il veut partager quelqu'un qui est déjà connu? Donc, je ne partage pas tout. Ceux qui disent que oui, Fleur de Lys,
Hier, tu n'as pas partagé le direct du général. Pourquoi je vais partager? Vous partagez pas besoin que quelqu'un me dise partage. Pourquoi? C'est pas obligé. Le général est connu. Lolo Beauté, qui est sa soeur, est très connue. Donc, rien que les deux là, ça éteint tout. Pourquoi je vais encore venir que ce que même ça va servir à quoi? C'est seulement pour donner encore qu'on clique là-bas pour liker. Donc, il faut que les gens arrêtent certains choses. Moi, je ne joue pas dans la masse. Ce n'est pas parce que les gens font que moi, je parle bien avec le général, j'ai son numéro. On se parle bien. Mais ça ne veut pas parce qu'on parle bien que je vais partager tout ce qu'il fait. Non. Pourquoi? Et puis, ce n'est pas un problème. Le jour qu'elle voit qu'elle veut partager, je partage. Si elle voit même qu'elle partage sur mon mur privé, pourquoi elle veut partager sur mon mur officiel? Ma page officielle, je partage que ce qui me concerne ou bien ceux qui m'ont payé pour la com. Vous avez compris, non? Oui, je partage que ce que je veux et ceux qui me payent pour faire leur publicité. Parce que quand tu partages la part de quelqu'un qui est connu, la personne gagne les contrats selon ses abonnés, selon sa visibilité. Moi aussi, j'ai besoin de gagner des contrats. Ma faute, n'a même pas vu le direct. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le direct. Voilà. Donc, encore pour vous annoncer que ce week-end, le 23... Bonjour Pat Comédie, c'est comment mon petit chou d'amour? Il faut qu'on organise pour nous, hein? Il faut qu'on organise pour nous, les Camerounais, nous sommes beaucoup. Je peux citer les blogueurs Camerounais, numéro 1, Steve Farr. Numéro 2, qui m'envoie les têtes de moi-même? Attendez, je vais bloquer les gens là. J'adore tes pommes. Ah bon? Attends, je vais faire un truc. Numéro 1, Steve Farr. Numéro 2, Fleur de Lys. Numéro 3, Maman Pépé. Numéro 4, Lolo Foja. Numéro 5, Ducamer. Moi, partout, hein. Partout, on organise, je go. On organise partout, je go. Le général s'impose et c'est bien. Voilà les têtes de mort que quelqu'un m'a envoyé. Regarde-moi cette chienne. Ma chérie, regarde ta gueule. Regarde ta gueule. Tu t'appelles même comment? Je ne veux pas te fabriquer. Regarde-moi cette saleté. Tu m'as vu? Regarde mon intérieur. Regarde. Regarde comment je suis propre. Sale chose. Regarde-moi celle-là. Avec ta greffe, avec ta perruque, kucha, kucha, kucha. Ça, ce sont les vrais cheveux. Sale chose. Voilà ça, c'est toi qui as mis les têtes de mort. Sale chose. Toi, tu as ta photo de profil. Tu as l'habit bleu. Sale chose. J'étais bloquée. Il y a encore une autre. Je vais vous donner votre dose. Attends. Vous voulez la fabrication, non? Sale chienne. Aff. Lang bisibi. Lang noisout. Lang. Lang. Quelqu'un parle sur son mur, vous voulez que je m'énerve. Numéro. Pardon, attends. Non. Le général est fort. Il y a une artiste camerounaise, Mbrakata, en fin de retraite. Une artiste wolé wolé qui s'est permis. Voici l'autre. Mon gars, te voici sur ta photo de profil. Tu es avec la veste comme la souris. Il y a une fille à côté de toi avec la robe pagne. Une autre, elle a la robe orange. Une autre, un gars qui a les boucles sur le nez. Vieille chouette. Ton compte, c'est quoi même? Tu es à Yaoundé. Les gars, quand je regarde même ton tissu, je vais te laver propre. Je te lave propre. Regarde-moi celui-là. Imbécile, va. Je te bloque. Sale chienne. Tu veux qu'elle donne ton nom? Mais ça, non. Je prends encore l'autre. Vous aimez venir sur les lits. Vous ne m'aimez pas Fleur de Lys, mais vous partez en Côte d'Ivoire. Vous aimez là-bas. Vous croyez que je vous supplie de m'aimer? Ouf! Je vais créer mon église. Oui. Allez, là-bas. Facile. J'ai bien créé mon église. Oh.
Mais bien créer mon église. Et n'aime pas Fjord de Lille. Voilà l'autre. Je clique sur son profil. Avec ta tête était mon vieux. Regarde celle-ci. Tu as l'enfant métis à main. Avec ta tête était mon vieux qui commence au milieu de la tête. On dirait que tu as la calvétie. Tu viens voir les têtes de moi. Regarde la table en France. Regarde où tu es. Regarde la table où tu manges avec le tapout. Regarde. Regarde-moi celle-ci. Ça ne va pas, non? Regarde-moi celle-ci. Espèce de complexe, va. Grosse vache. Avant, j'étais grosse vache comme toi. J'ai maigri. Et je suis maintenant pulpeuse. Regarde-moi celle qui me met les têtes de mort. Regarde comment elle a si elle ouvre sa bouche. Regarde-moi ça. Tu tournes la tête. Quand on a les mon vieux, on ne fait pas comme ça. Quand on a les mon vieux, on ne tourne pas la tête de profil. Je ne vais pas donner ton nom parce que je ne vais pas te fabriquer. Moi, j'ai la gueule. J'ai changé. Hein? Regarde-moi celle-ci avec son habit pointinini. Regarde-moi les habits pointinini. On met encore ça. Habit 1950. Regarde. Avec ton gigolo qui est sur le, ton profil. Regarde-moi les photos. Ton gigolo a mis le pain avec le truc rose. Tu as compris? Fjord de Lille. Et c'est son blanc ici à côté. Hey, le mariage à toi de ça. Mariage. Attends quand elle va guérir. Regarde-moi celle-ci. HS. Regarde-moi son nom. Un vieux nom de 1950. T'as pas honte de te filmer devant. Elle s'est filmée devant quoi? Là, voici, elle a fait le devant Carrefour. On fait la photo devant Carrefour, villageoise. Elle a fait la vidéo devant Carrefour, voici ça. Pendant que les gens font les photos sur la tour Eiffel, te voici devant Carrefour. Choua Nambunga, je te bloque. Je te bloque. Après, vous allez dire que c'est l'enfant qui a appuyé. Alors, si les enfants sont à la crèche, c'est l'enfant qui a appuyé. Tu m'as bloqué. Je ne sais pas débloquer. Donne-moi la sueur. J'ai besoin de ça. Comme ça, moi, je vais guérir vite. J'ai besoin d'être en forme samedi pour la soirée. Elle s'est filmée devant quoi? Voici l'autre. Son nom même, franchement, Adama. Regarde l'autre. Il s'appelle Adama. Adama Ouagadougou. Villageois. Tu es en Afrique là-bas, tu as faim. Regarde-moi, c'est Adama. Adama. Ouagadougou, Adama Ouagadougou. On sent le soleil. Le soleil qui est en train de te pomper. Un bacon. Adama, on peut faire ça. Comme je dis tout le temps, Adama, Adama, tu viens, tu mets ton nom, Adama. Adama. Bon, je vous laisse, non? En ce moment, vraiment, je ne suis pas en pleine forme. Regarde celui-ci, foudre de Dieu. Foudre de Dieu, j'ai prononcé ton nom parce que tu as le nom foudre de Dieu. Quand tu me regardes, je te ressemble, moi. Hein? Foudre de Dieu. Tu prononces Dieu. C'est comme ça que vous, les gens, vous prononcez Dieu comme ça, les escrocs. Foudre de Dieu. Regarde-moi sa bouche avec les boucles d'oreilles partout, partout. N'importe quoi. Tu viens m'envoyer les têtes de moi qui, quand je regarde Cameroun, que des jaloux dans ce pays. Moi, je suis aimé en Côte d'Ivoire. Hein? Je vous ai déjà dit que je prenais mon passeport français. Regarde-moi quelqu'un. Vraiment, voilà l'autre. Attends. Ça fait combien de temps que je suis en direct? Je suis en direct pour rien. Je n'ai rien à dire. Adama. Voilà l'autre. Aïe. Vraiment. Regarde l'autre, hein? Il a mis, tu as fait la photo où tu es en train de nager. Te voici, tu es en train de nager. Je te donne toi. Tu t'appelles Cédric Deville. Tu es en train de nager. Quand je regarde où tu es à Douala. Mon petit, tu es assis avec la sale barbe. Tu viens m'envoyer les têtes de mort. Regarde, je suis française. Je suis française. Je m'en vais récupérer un colis là. Je suis française avec les papiers. Voilà ça. Mon petit, te voici, tu apprends à nager encore. Tu apprends à nager. Te voici dans l'eau, tu es en train de nager. Regarde, tu es en train d'apprendre à nager. Je te vois devant les habits de Chine, là. Imbécile. Quand vous n'aimez pas, vous ne venez pas, hein. Regarde-moi celui-ci. Tu sens celui qui va venir rester chez une femme blanche à pleurer. On va te corriger comme ton frère en Allemagne que la femme blanche prend 50 coups par jour.
Tu vas maigrir. Regarde-moi celui-là. Tu viens me sur mon dieu. Regarde. Te voici, hein. C'est les entraînements de ça. Entraînement de ça. On va te corriger. C'est en Allemagne que je veux que tu trouves ton gars. La femme blanche en Allemagne va te pioncer comme ça. Tu vas marcher comme ça, les pieds en l'air. Chouane, tu mérites ça, hein? Je te bloque. Je t'ai donné ton nom. Quand vous aimez parcourir, tu es là, on le cherche ta vie. On le dit que, ouais, ma faute, je fais comment aussi? Tu viens là parce que tu me détestes. Tu me détestes, ça me fait quoi? La seule chose qui peut me clouer à la maison, c'est la maladie. Comme je suis malade, là, j'ai la grippe. Oui. Sinon, ça me fait quoi? Dernière personne, et puis je vais vous laisser. Non, je m'en vais à la boutique. Quand je veux que tu trouves ta gars. Quand je veux me marier, corriger de ça. Regarde celle-ci. Marie-Paul, je te dois quoi? Quand je regarde, tu es où? Marie-Paul, comment on lit N? Comment on lit le N-K-E? Comment on lit ça? Et voir même ta photo, maman. Passer ton genre sans donne. C'est pour ça que tu lui envoies les têtes de mort. Parce que tu as le genre sans qui donne. C'est pour ça, mamie. Le genre sans, c'est pas saison, hein. Ça peut donner aujourd'hui, demain, ça ne donne pas. Parce que ton genre sans donne. Tu viens t'asseoir là, on dirait que tu cherches l'homme. Regarde le sourire de ça. Avec ton nez épaté. Avec ton nez épaté comme la pâte d'arachide. C'est sur Facebook que tu viens montrer que tu es malheureuse. Va arranger ton foyer, ma chérie. Tu as compris? Ton genre s'en donne, mais est-ce que tu es alors heureuse? Être heureuse, une femme heureuse, c'est celle qui est en couple avec son homme. Qui est bien dans son travail. Toi, tu es en couple, non? Te voici ici. Te voici. Tu es allé faire le marché? Je ne pense pas. Tu n'es pas encore allé au marché. Ton mari va rentrer te bastonner à midi parce qu'il n'a pas encore mangé. Tu es devant Facebook. Ne partez pas mettre vos hommes à l'aise. Vous avez choisi le mariage, non? Assumez donc les mariages. Ah, je vous laisse. Il y a ma petite fille. Il y a ma petite fille qui veut me parler. Je vous laisse. Bisous, non? Alex Bichoka. Alex Bichoka. Et on met tête de mort. Mbényoum. N'aurait. Mais il est ouais. Et on met tête de mort. Nyuki. Hein? Nyuki. Voilà ton nom, hein? Tu m'as envoyé les têtes de mort. Je te bloque. Si tu es de la famille de mon fils, que tu viens, tu me réclames quoi? Vous m'avez doté? Non. Tu viens chercher quoi sur mon mur? Alex Bichoka, tu viens, tu m'as, on t'a dit que j'ai mangé quelque chose là-bas chez les Bassa, mon frère. On t'a dit que j'ai mangé quelque chose là-bas. Tu m'as, on t'a dit que j'ai mangé quelque chose là-bas. Regarde-moi quelqu'un, on m'a doté. On m'a doté. Vous n'aurez rien. On leur dit merci. Merci comme tu nous as donné quand même un fils. Tu viens là, tu m'envoies les têtes de mort. Voici une autre, hein. Emeranda Basson. Emeranda. Regarde comment tu écartes tes pieds sur le ballon. Tu as le piercing ici. Le piercing là. On sent une lécheuse. Une chopeuse de tote. Mais pour te dire vrai, tu n'es pas mon genre. Te voici. Tu as voilà, voici, hein. Tu chantes aussi Dieu, non? Te voici. Tu es même abonné, mais tu m'envoies les têtes de mort. Je te bloque. Ah, tu ne me sers à rien. Il faut vous respecter. Hein? Parce que tu te prends pour une star. Comme tu as percé les lèvres, tu as percé partout. On fait ça à 10 euros là-bas à la sortie. Là où on fait le piercing là. On perce à combien? J'ai les amis qui ont percé même en bas. Toi, tu parles de quoi? Parce que tu as percé ici, tu as percé là. Tu crois que tu es une star? Le piercing, c'est quoi? C'est pour les enfants. Je vais faire. Je vais faire le piercing, mais je vais faire sur la langue. Les sales choses que les gens font, les piercings partout, partout. Ich!
Porte quoi? J'étais bloquée, ma chérie. Tu as compris? Même pas erreur. Voici une autre précieuse. Un faux profil qui n'a même rien. On sent que tu viens d'arriver. Faux profil qui n'a rien. Précieuse. Je te bloque, ma chérie. Au revoir. Go, hein. À des salottes. Bon. Je vous laisse, non. J'ai des choses à faire. Oh, non. Bisous. À ce soir, si j'ai la force. Bisous, non. On fait comme ça. Bye bye.